trouvons aujourd'hui à l'extrémité sud de la Gironde, à 17 km de Bazas. Et nous sommes ici pour retracer l'histoire d'une curieuse construction, l'ancienne bergerie ronde de Goualade. Et notre premier regard se pose tout naturellement sur l'harmonieuse courbure de l'édifice, dont l'ouverture se fait à l'est. Cette configuration avait autrefois une fonction bien précise, car si aujourd'hui la bergerie est nichée dans une vaste forêt de pins, il en était tout autrement au début du 19e siècle. Le plateau était alors très peu boisé et essentiellement constitué de marécages. Ces terres humides, favorables au paludisme, ne permettaient alors que de pauvres récoltes. Et c'est là que l'élevage intervient. Au-delà de son aspect alimentaire, le mouton participait à la production de fumier, servant à fertiliser les sols. C'est la raison pour laquelle on en dénombre à cette époque 60 000 et jusqu'à 400 bergeries pouvaient les abriter. De ce passé agro-pastoral, il nous reste en mémoire l'image typique du berger sur de longues échasses accompagnant son troupeau à travers les marécages. Mais revenons à nos moutons. Si les bergeries étaient nombreuses, elles n'en étaient pas moins vulnérables. Les vents océaniques chargés de sel soufflaient si violemment sur ces terres dénuées d'arbres que seules de solides constructions pouvaient résister à l'hiver. Ce sont ces contraintes qui ont donné naissance à ces bâtiments, pensés pour tourner leur dos courbé au vent d'ouest. Observons maintenant l'enceinte de plus près. Comme pour la plupart des bergeries, la façade est constituée de planches en bois. Mais le reste de l'édifice présente deux particularités. Allons voir ça. D'abord, le mur extérieur est en pierre. Il est formé d'alios, une roche des Landes principalement constituée de fer et de sable. Quant à la toiture, remarquons qu'elle est recouverte de tuiles. Par l'utilisation de ces matériaux lourds, la bergerie de Goualade se distingue du traditionnel bâtiment en bois et de sa couverture en chaume. L'apparition de ces constructions en dur coïncide avec une volonté de l'État de moderniser les bâtiments d'élevage. Et c'est sans nul doute ce qui lui permettra de résister aux bouleversements à venir. En 1857, face à l'insalubrité des terres, le gouvernement ne voit plus qu'une seule solution, le boisement intégral du plateau. Ces kilomètres de plantations sont aujourd'hui protégés par le parc naturel régional des Landes de Gascogne, qui forme la plus grande forêt d'Europe. Mais c'est sans compter de nombreux incendies qui, jusqu'à la fin du siècle, vont favoriser la dégradation des bâtiments en bois. Progressivement, l'exploitation forestière met fin à l'agropastoralisme et conduit à l'inévitable disparition des bergeries courbes. Seule rescapée, la bergerie de Goualade est le résultat de cette mutation initiée par l'homme pour s'adapter à son environnement. De ce fait, elle est inscrite au titre des monuments historiques et constitue aujourd'hui le départ d'un circuit de randonnée qui mènera le visiteur vers d'autres découvertes.